les cascades qui commencent à ramasser un petit peu. Voilà, stop, voilà celui qui bougeait là. Je sens le détachement très motivé. Très motivé. On sent que les garçons, les filles là, ont beaucoup travaillé, ont à cœur de travailler et qu'ils ne rechignent pas la tâche. Donc ça, c'est un point essentiel, à mon avis, et très positif. On a encore beaucoup de travail à faire, c'est clair. Et on a beaucoup progressé. J'avais dit au ministre qu'on était bon, qu'on allait devenir très bon, que je visais l'excellence. Donc l'objectif, il est là, il faut qu'on soit excellent le 14 juillet. Et on a, je pense, beaucoup d'atouts en main avec les gens qui font partie du détachement pour y arriver, pour gagner atteindre l'objectif. Quand on m'a confié la mission, je ne pensais pas qu'il y avait tant de travail, notamment d'organisation, de présence, mais c'est enthousiasmant, intéressant, et les résultats, enfin, les premiers résultats sont là, donc c'est encourageant. Sapeurs-pompiers du bataillon Rhône-Alpes. Derrière moi se trouve le fanion des sapeurs-pompiers de France qui va défiler à votre tête lors du défilé du 14 juillet 2010. Celui-ci m'a été remis par le ministre de l'Intérieur. Je vous demande de l'honorer, de le respecter et que nous puissions le transmettre l'année prochaine avec honneur et la satisfaction d'avoir réussi pleinement la mission qui nous était confiée. Allez, on finit en beauté, les gars, allez. Sapeurs-pompiers du